Killing Fist, The Grudge, Hooker with a Penis, Prison Sex, Sober, mais aussi The Hollow, Orest, Know Your Enemy, Passenger, la liste des chansons sur lesquelles s'est distingué avec brio Maynard James Keenan est longue comme le bras. Pourtant, quand je pense à lui, la première chanson, le premier morceau qui me vient en tête, c'est celui-ci. I fuck Dolly Parton, I fuck Loretta Lynn, I fuck Barbara Mandrell and I fuck all of her kin, I fuck Minnie, I fuck... Country Boner, une chanson qui a été écrite bien avant la naissance de Tool par Tom Morello et par Chris George. Une chanson humoristique, sarcastique, concupiscente, aux frontières de la chanson paillarde et qui représente, selon moi, tout l'univers comique, humoristique, tout le déguisement, la comédie de Maynard. Une part qu'on ne lui attribue pas souvent, plutôt habitué à le considérer comme un artiste sérieux, profond, vraiment dans le contrôle. Mais à mon avis, si on veut vraiment comprendre l'essence de son message artistique, c'est quelque chose à ne vraiment pas négliger. Une parfaite union des contraintes, la première biographie officielle de Maynard James Keenan, écrite par Sarah Jensen, la sœur d'un de ses meilleurs amis, et traduite ici en français par Christophe Muller, qui a déjà écrit un bouquin surtout sur Cameron, apparemment un bouquin super que j'ai pas eu encore l'occasion de lire, peut-être que je vous en parlerai dans quelques temps dans Vince et Moll. Qui est sorti, donc un bouquin qui est sorti il y a quelques mois aux éditions Camion Blanc. Alors c'est une biographie assez particulière, on va le voir, mais qui a un objectif précis qu'elle est dictée dès le départ, c'est donner des clés de compréhension pour mieux appréhender l'univers de Maynard et pouvoir mieux comprendre son message et ses lyrics. Comme c'est extrêmement dense, comme c'est assez particulier, je vais changer un petit peu la forme de ce With Them All et on va juste aujourd'hui faire deux parties. Une première partie qui va être consacrée aux influences de Maynard, les influences musicales, les influences littéraires, philosophiques, et la deuxième partie qui va être consacrée à l'aspect biographique de sa vie et à tous les marqueurs importants de sa vie qui auront eu une influence sur sa vie d'artiste. Il y a beaucoup de choses à dire, donc comme d'habitude, on ne perd pas de temps en Salam Alek. Soyez les bienvenus dans ce 7e épisode de With Them All consacré à Maynard James Keenan. Alors, comme je le disais dans l'introduction, on va se concentrer sur cette première partie, sur les influences de Maynard. Alors, une première partie sur les influences musicales et ensuite sur les influences littéraires et philosophiques. La première surprise, lorsqu'il vient parler des influences, de ses influences musicales, ben, c'est qu'il en parle relativement peu par rapport aux autres. Il va parler des chocs qu'il a eus quand il était jeune, quand il était gamin. Il parle de Kiss, qu'il a énormément marqué quand il était jeune. Voilà le côté choc rock, les maquillages, le côté petit presque grandiloquent, presque personnage de bande dessinée, l'a énormément interloqué, énormément marqué quand il était jeune. Black Flag, Ramones, il aime Depeche Mode, Nick Cave and the Bad Seed, toujours l'accent absolument impeccable. The Cure, Ministry, Nine Inch Nails. D'ailleurs, dans l'autobiographie de Al Jourgensen, The Lost Gospel, il y a une anecdote absolument excellente sur Tool, où il raconte qu'il était, je crois, à Lollapalooza. Il avait une bouteille d'alcool dans la main qui était pleine de buvards d'acide, donc quelque chose d'extrêmement fort. Et il était en train de chimer quand il a croisé les jeunes de Tool qui n'étaient pas encore connus. Il les a trouvés plutôt sympathiques, et donc pour leur faire un petit cadeau, il leur a donné la bouteille. En oubliant de leur préciser que voilà, elle était pleine d'acide. Donc les autres, ils ont commencé à teaser comme si c'était une bouteille d'alcool normale. Ils se sont retrouvés raides défoncés. Ils lui ont rendu apparemment l'appareil quelques années plus tard en lui faisant le même cadeau. Al Jourgensen, il ne se rappelait plus. Et apparemment, il était raides défoncé à l'issue de cette expérience. Quel blagueur, ce bon vieux Allen. Donc Ministry, Nine Inch Nails, ils s'attardent pas trop sur, on va dire, certains artistes, ils vont dire, bon voilà, quand on écoute ma musique, on peut saisir l'influence de tel groupe ou de tel mouvement musical à cet endroit-là, sur cette chanson, etc. Lui, il fait pas du tout ça. Il va plutôt s'attarder sur la genèse de ces groupes, sur la genèse de Tool, sur la genèse de Perfect Circle, et dire un petit peu les objectifs qu'il avait avec ces groupes au début, qu'est-ce qu'il voulait obtenir musicalement, qu'est-ce qu'il voulait raconter, jusqu'où il voulait aller, plutôt que de vraiment
vraiment s'axer sur un décortiquage un petit peu voilà, musical de ce qui a pu l'influencer. C'est curieux et c'est d'autant plus curieux que ça a l'air vraiment sincère, qu'il considère ça comme si c'était quelque chose finalement qui était tellement en lui qu'il n'avait pas besoin d'en parler. Les influences ensuite littéraires. Ce bouquin, il est préfacé par Alex Gray qui a travaillé qui est un peintre, un sculpteur, un artiste plutôt attribué au courant du symbolisme, du psychédélisme ou de la New Wave, qui a travaillé sur la sublimissime pochette de l'album Lateralus de Tool, et qui voilà préface le bouquin et qui en quelques lignes arrive vraiment à prendre de la distance par rapport à Maynard et à saisir un petit peu l'essence du personnage. Maynard, il est très influencé par la culture amérindienne, et donc Alex Gray, il dit que Maynard, il a ce côté un petit peu chamanique, ce côté un petit peu docteur indien, guérisseur, mais aussi à la fois clown, à la fois presque bouffon, qui saisit un petit peu des éléments du réel, de l'inconscient collectif, et qu'il est retraduit à sa manière, d'une manière un petit peu déformée, dans ses paroles, dans ses lyrics, de telle manière qu'on puisse ressentir quelque chose dans lequel on est familiarisé, mais qu'on ne reconnaît pas tout à fait. Il a cette vision-là, Alex Gray, de Maynard. Ensuite, les influences de Maynard sont à la fois très pragmatique, très scientifique, et ensuite beaucoup plus spirituel, beaucoup plus porté sur l'immatériel. Il raconte qu'à des moments, il a fait, on le verra dans toute la partie biographie, il a fait une longue marche à travers les États-Unis. C'est quelqu'un qui a pu manger du peytol, je crois que c'est comme ça que ça se dit, qui est un petit cactus mexicain, pour ouvrir un petit peu les portes de la perception. Il a pu faire des séminaires, des retraites avec des gourous, notamment avec des retraites qui concernaient Melchizedek, autour des enseignements de Melchizedek, qui est un personnage biblique qui apparaît dans la Bible et dans la Torah. Et donc, dans un petit peu ces séminaires, il y avait une partie qui était au niveau de la compréhension de l'ordre cosmique. Alors là où c'était des choses où il disait que il y avait eu des extraterrestres qui étaient venus sur Terre à une époque, qui avaient laissé un petit peu des traces. Quand l'humanité se détruirait, elle reviendrait. Des choses un petit peu obscures comme ça. D'ailleurs, il dit à des moments qu'il ne comprend pas grand-chose. Mais chez Melchizedek, il y a aussi quelque chose qui est beaucoup plus pragmatique, et notamment au niveau des émotions géométrique, et il explique à un moment que les émotions peuvent être traduites de manière tridimensionnelle à travers sinusoïdale, et qu'on peut traduire la colère, l'amour, la haine de cette manière là, donc d'une manière scientifique. Et il dit on peut avoir une approche mathématique de la musique comme Beethoven par exemple, et pourtant exprimer des émotions très fortes dans l'art que l'on pratique. Et ça va profondément l'influencer dans sa démarche d'artiste, et d'ailleurs pas que dans sa démarche d'artiste, quand il fera du jiu-jitsu brésilien. And his name is John C. Quand il fera du vin, quand il fera dans le marketing, vraiment cette géométrie, cette rectitude qui peut y avoir, dans l'espace, mais c'est quelque chose qui va beaucoup le marquer. Il parle de Melchizedek, il parle aussi de Joseph Campbell, ça c'est une influence qui est très prégnante chez lui, mythologue, écrivain américain, qui partait du rechercher un petit peu dans les différents mythes, dans différentes cultures, à travers les âges, à travers le monde, ce qu'elle pouvait avoir de commun, donc ce que l'homme avec un grand H a de commun dans l'humanité. Et puis Carl Jung, le psychiatre suisse né en 1875, qui là aussi est une influence vraiment primordiale chez Maynard. Carl Jung, c'est quelqu'un qui a travaillé avec Sigmund Freud, plutôt du champ psychanalytique, qui a travaillé sur l'inconscient, sur le rêve, qui a un petit peu dans les nombreux écrits qu'il a fait des choses qui sont très scientifiques, et d'autres qui le sont un petit peu moins, plus dans le parapsychologie, qui s'est intéressé à beaucoup de disciplines. Et on trouve dans les lyrics de Tool et dans les lyrics de Maynard traces de nombreux concepts à lui. D'ailleurs, en préparant cette émission, j'ai découvert qu'il y avait un manga, alors je ne m'y connais pas du tout en manga, mais qu'il y avait un manga français qui s'appelait Crisis Jung, un truc qui a l'air mais vraiment complètement barré, et qui est le mec qui l'a créé, c'était parce qu'il a fait une psychanalyse avec une Jungienne. Donc un truc absolument incroyable.
Donc Jung, les concepts de l'ombre, voilà par exemple, où voilà, il explicite que l'homme, voilà, dans son ombre, ça représente un petit peu toute la partie cachée, toute la partie des sentiments qu'on ne veut pas voir, des sentiments un petit peu plus noirs. On en trouve une partie de ce concept dans les lyrics de Maynard. La synchronicité. Voilà la synchronicité qui explique tout simplement que le hasard n'existe pas. Dans le bouquin, voilà, Maynard, il explique qu'à un moment de sa vie, chaque fois qu'il entendait la chanson de Led Zeppelin, Cachemire, c'était qu'il était à un moment qui était vraiment très important. C'était que la rencontre qu'il était en train de... Ce qu'il vivait, c'était déterminant, il était en carrefour, il fallait qu'il prenne une décision, que chaque fois qu'il entendait cette chanson dans la rue, dans un bar, c'était qu'il y avait quelque chose de spécial qui était en train de se passer, et ça, il ne l'attribue pas au hasard. Le titre même du bouquin, Une parfaite union des contraires, ça fait référence aussi à un concept de Jung, le rapport qu'il pouvait avoir à la religion, le rapport qu'il pouvait avoir à la mythologie, tout ça, voilà, ça construit considérablement Maynard quand il le lit, et ça représente une de ses influences les plus prégnantes, les plus importantes. C'est quelqu'un qui se pose des questions et qui cherche les réponses, voilà, dans toutes les directions. Et finalement, ben le dénominateur commun entre tout ça, ben c'est lui. Et quand on finit le bouquin, ben on trouve vraiment les réponses et on comprend, voilà, toutes ces influences qui l'ont nourri, ce que ça crée en fait en lui, comme ressource, comme mode de pensée, et ce qu'il a donc du coup directement influencé en tant qu'artiste. It won't go down, it won't go down, my boner, my boner, my boner won't go down. Alors dans cette deuxième partie, on va se concentrer sur les éléments biographiques de la vie de Maynard. Alors les événements qui sont de nature traumatique et ceux qui sont vraiment plus constructifs, hein, qui vont le construire en tant qu'homme et en tant qu'artiste. Maynard James Keenan est né le 17 avril 1964 à Ravenna dans l'Ohio. Sa vie se passe, voilà, jusqu'à l'âge de 4 ans. Là, il y a le premier traumatisme avec la séparation de ses parents. Et voilà, et cette image qu'il garde de son père qui quitte le domicile familial dans sa voiture en se retournant vers lui, c'est une image qui le marquera beaucoup. Et il, voilà, notamment quand lui aura son premier enfant, il dira que c'est quelque chose qu'il ne voulait absolument pas reproduire, avec ce délitement du lien qu'il a eu avec son père à ce moment-là, que c'était quelque chose qu'il voulait lui absolument ne pas reproduire avec les enfants qu'il aurait. Donc, des années, voilà, après ce premier traumatisme, quelques années se passent, et malheureusement, l'accident tragique de sa mère qui fait des anévrismes, plusieurs anévrismes d'affilée, et qui la laisse lourdement handicapée. Il devra quitter sa mère pour aller vivre avec son père et sa belle-mère, et il restera profondément marqué, sa mère qui était très pieuse, qui était dans la communauté baptiste, il restera très marqué par des propos qu'il entendra de membres de sa communauté, qui diront à sa mère que, après tout, si elle a eu un accident, voilà, aussi dramatique, c'est qu'elle ne doit pas être en paix avec Dieu, et en gros, c'est qu'elle doit avoir quelque chose à se reprocher, et que peut-être, voilà, vu qu'elle était, voilà, très lourdement handicapée, qu'elle portait des couches, etc., certains diront, mais c'est pas une tenue digne pour se rendre à l'église. Donc il restera profondément marqué par ces propos-là, et il gardera une colère profonde et une rancœur profonde envers la religion à cause de ça. Et donc il rejoint son père prof, un peu austère, qui entraîne une équipe de lutte, qui fait aussi de la course de fond. Il se mettra au sport à ce moment-là de manière importante, ce qui aura un impact ensuite dans la suite de sa vie. Il termine le lycée, il s'engage dans une école militaire. Il comprend assez rapidement qu'il ne va pas en faire sa vie, il ne va pas faire une carrière militaire, mais toute sa vie, voilà, ben, il gardera un souvenir, voilà, de cette rigueur militaire qu'on lui a imposée, à la fois, voilà, dans tout l'aspect physique, dans l'aspect rigueur physique, mais aussi au niveau des méthodologies précises qu'utilisent les militaires lorsqu'ils doivent atteindre leur objectif. Donc ça le marquera de manière durable pour le reste de sa vie. La carrière militaire, il part à Boston, il travaillera là-bas dans une animalerie. Ça a l'air de rien, mais c'est important. Le lien qu'il développera avec les animaux, ça sera important pour la suite également de sa vie. Bien que la musique soit présente depuis
le départ en fait depuis son plus jeune âge. Voilà, il a chanté dans des chorales, etc. Là vraiment il y a les premières expériences musicales. CID, il part à Los Angeles avec Gringello, voilà, qui représente à la fois le côté musical et le côté un petit peu comédie. Il explique qu'à un moment, voilà, il était avec une souffleuse que les mecs ils utilisent, voilà, dans les ateliers verts, voilà, pour balayer les feuilles, et que lui avec Gringello il mettait des hot dogs dedans, voilà, qui étaient enroulés dans du papier évidemment, et boum, il les envoyait dans le public, et il disait qu'il adorait faire ça. Donc Gringello, il arrive à Los Angeles, il s'installe en colocation avec Tom Morello de Rage Against the Machine. D'ailleurs, il a failli pendant un moment être le chanteur de Rage Against the Machine, mais ils y ont préféré Zach de la Rocha. Donc cette rencontre-là, voilà, assez déterminante. Et puis, la rencontre avec les mecs de Tool. Et dès le départ, ça le fait de suite. L'alchimie, il raconte vraiment que l'alchimie musicale, elle se crée de suite, que dès le départ, tout est là. Et là, toutes ces influences, toutes ces lectures, toute la musique, on dirait que tout, voilà, se concentre, voilà, et arrive, voilà, à exploser dans Tool. Il explique qu'au départ, ils avaient vraiment des objectifs musicaux extrêmement ambitieux, qu'ils détestaient la scène glam de Los Angeles, bien qu'ils aimaient la scène de Seattle, ils voulaient absolument pas ressembler au groupe de Seattle. D'ailleurs, c'est lui qui a montré à Tom Morello comment désaccorder la guitare en drop D, désaccorder la mi en ré et obtenir ce son un petit peu plus grave qu'avaient les groupes de Seattle. C'est lui qui a montré ça à Tom Morello. Et donc, mais il veut pas leur ressembler à eux. Il veut des mélodies vocales qui soient un petit peu tarabiscotées, qui soient pas évidentes, des morceaux avec des structures longues, des morceaux lourds, des architectures rythmiques bizarres. Ils veulent vraiment pas tomber de la facilité. Et il y a plein de groupes qui, au départ de leur carrière, ont vraiment un discours un petit peu comme ça sur des exigences, mais qui finalement n'arrivent à rien. Et eux, en fait, tout ce qu'ils disent, ben ça le fait de suite, quoi. Les morceaux le font de suite. Ils se trouvent rapidement un public de fanatiques et ils sont rapidement signés. Et finalement, le succès arrive quand même assez vite, succès mérité quand on voit la qualité des albums de Tool. Et puis à un moment, voilà, alors qu'il est en plein succès, alors que voilà vraiment Tool lui sourit, ben, il y a une sorte de décrochage et il part vers autre chose. Donc là, il parle de Perfect Circle, donc de la genèse du groupe, de la rencontre, de ce qu'il voulait exprimer à travers ce groupe-là, à travers ce qu'il voulait faire avec eux. Pareil, le succès, voilà. Et puis un autre décrochage, il part après vers Pushifer, et pareil, ensuite dans le vignoble, il s'installe en Arizona, il veut faire du vin. Au début, il dit qu'on n'est strictement rien, mais il se lance dans le truc. Et voilà, et toute sa biographie, en fait, ça raconte ça, en fait. On le voit à des moments, il y a des questionnements, il recherche des solutions dans la musique, dans les bouquins, dans des philosophes, dans des écrivains, etc. Et lorsqu'il se retrouve face à un projet de nouveau, ben, il concentre toutes ses forces, il se donne vraiment corps et âme à 100% pour arriver à obtenir ses objectifs. Mais il y a aussi quelque chose d'important, c'est vraiment cette démarche qu'il a de se dire que quand il s'engage dans quelque chose, il a une visée, il a un objectif, mais c'est aussi tout ce qu'il va vivre dans ce projet, tout ce qu'il va mettre en place, les difficultés qu'il va y avoir au départ pour se défaire des difficultés, pour traverser les autres, mais tout ça, voilà, c'est très important. Et à un moment, il dit, voilà, je sais plus, je crois que c'est de Bill Hicks, cette citation qui dit, voilà, quand on fait une balade, il faut l'apprécier, cette balade, avant tout pour ce qu'elle est. Et cette philosophie un petit peu de vie, ben on la retrouve dans toute cette biographie, dans tout ce qu'il entreprend. La limite un petit peu qu'elle peut avoir, cette biographie, c'est qu'elle n'évite pas l'écueil de l'iconisation, presque de l'iconisation de Maynard. C'est-à-dire que il y a des moments où il prend un petit peu du recul sur ce qu'il a fait, sur ce qu'il dit, notamment dans Perfect Circle au départ, où il essaie de se mettre, où il y a pas mal d'humilité, il essaie de se mettre un petit peu en retrait, parce qu'il est beaucoup plus connu que les autres membres. Il y a cette humilité un petit peu. Mais à d'autres moments, il y a d'autres passages, en fait, notamment voilà, au départ, quand c'est quelqu'un qui s'est marié tard, qui a eu beaucoup, beaucoup de relations avec beaucoup de femmes, et à un moment, il explique que voilà, il était étonné de voir que toutes les relations qu'il avait se terminaient mal. On comprend aussi qu'il a eu à côté un petit peu volage, qui s'est peut-être aussi un petit peu à des moments il est un petit peu en côté manipulateur. D'ailleurs, c'est ce qui lui est reproché, y compris par certains de ses fans, qui lui reprochent à un moment d'être vraiment dans le contrôle, d'avoir perdu avec les années
cette part de spontanéité, parce que même quand il est dans la comédie, même quand il est dans le déguisement, voilà, il contrôle très bien ce qu'il dit, ce qu'il fait, la manière dont il veut transmettre son image. Et cette spontanéité qu'il a un petit peu perdue avec le temps, ben, ça lui est un petit peu reproché. Et on le voit là, à certains moments, voilà, ben, où son côté un petit peu, ben, en gros, concupiscent, ben, il s'en détourne en disant « Oui, mais j'avais besoin à certains moments de ceci, de cela. » Et Sarah Jensen, voilà, elle qui, pour surtout ne pas les gratiner à des moments, lui donne aussi des arguments pour que voilà, pour venir un petit peu échapper à des justifications un petit peu trop frontales. C'est un petit peu le défaut de son bouquin, mais ça sera le seul, et ça reste malgré tout relativement mineur, parce que il arrive précisément aux objectifs qui s'étaient fixés dès le départ, à savoir donner des éléments de compréhension, donner des clés pour comprendre l'univers de Maynard. Donc ça, c'est une pure réussite. Donc à conseiller évidemment aux fans de Maynard, aux fans de Tool, aux fans de Perfect Circle, aux fans de Pushifer, donc pour mieux comprendre ce personnage qui est véritablement passionnant. Ça a été un des épisodes de Riggs & Moll qui a été le plus long à faire, parce qu'il a vraiment, fallu que je creuse un petit peu toutes les influences de Maynard pour vous les retranscrire assez rapidement. Que les experts de Jung, de Melchizedek, de Campbell m'excusent, parce que je suis passé très 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 vite sur des concepts à eux qui sont pourtant extrêmement denses, extrêmement profonds. À vous maintenant d'aller découvrir l'univers de ces écrivains, de ces philosophes ou de ces musiciens. Voilà, pour c'est extrêmement intéressant. Tout ce qu'ils racontent, c'est extrêmement intéressant. Donc un bouquin qui donne de nombreuses pistes et qui est très intéressant à lire. Un encore. Je voulais faire un big up à Maxwell qui a très gentiment parlé de Riggs & Moll lors de son défi 15 jours, 15 vidéos. Donc je présume, vu que je suis sur Hands Up, que vous connaissez, si vous regardez Riggs & Moll, vous connaissez le travail de Maxwell. Mais si ce n'est le cas, je vous engage à aller voir ces vidéos. Elles sont toutes plus intéressantes les unes que les autres. Il y a désormais une page Facebook sur Riggs & Moll que je vous recommande d'aller voir. Entre chaque épisode, je posterai, voilà, sur la page Facebook bah, les éléments un petit peu, voilà, que j'ai pas pu trop développer dans les vidéos. Donc je posterai des trucs sur Crisis Jung, sur Jung, sur Melchizedek, etc., etc. Avant le nouvel épisode qui, je l'espère, va arriver un petit peu plus vite que celui-là, où pour une fois, on fera pas un grand écart, où il y aura un lien assez évident entre Maynard et le personnage dont on va parler la prochaine fois. Et on ne pouvait décemment pas se quitter sans faire référence à ma chanson anti-sub, celle qui me fait même remuer du popotin quand je suis stressé. I fuck Willie Nelson, I fucked him deep inside. I fucked Elvis Presley in the bathroom where he died. I fucked, do what you call. Johnny Cash grabbed his ankles and he hollered when I poked him. I fucked the judge, I fucked the judge. My country boner, it won't.